Paul de Saint-Cernin, nouvelle star de l'émission Quelle époque, sur France 2, intrigue autant qu'il amuse. Si son humour piquant et son franc-parler ravissent les téléspectateurs, sa vie privée reste un mystère bien gardé. Derrière les caméras, qui partage la vie de cet électron libre de 32 ans? Paul de Saint-Cernin, de son nom complet Paul de la part de Saint-Cernin, est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Né de parents très occupés par leur carrière respective, son père étant courtier en assurance et sa mère travaillant dans la banque, Paul a rapidement endossé des responsabilités familiales. Diagnostiqué haut potentiel intellectuel, HPI, et neuroatypique dès l'enfance, il obtient son baccalauréat scientifique à seulement 16 ans, explique Gala. Malgré un début de carrière dans le journalisme et des études d'ingénieur, Paul se tourne finalement vers l'humour, une passion qu'il considère comme une véritable drogue. Sa carrière dans l'humour commence sur les terrains de football, où il fait ses premiers pas en tant que présentateur des JT Sports d'Itélé à 19 ans. Cependant, c'est l'humour qui le captive vraiment. Bien que son parcours soit semé de difficultés personnelles, notamment le bégaiement durant son enfance, Paul de Saint-Cernin ne renonce pas à son rêve de devenir humoriste. Pour Paul de Saint-Cernin, l'humour est un véritable échappatoire. Paul de Saint-Cernin est un passionné de stand-up. Il prépare d'ailleurs un spectacle prévu pour 2024, confirmant ainsi sa volonté de continuer dans cette voie. Cette passion pour l'humour lui permet de surmonter les défis de son profil psychologique atypique. En effet, Paul a souvent du mal à capter les émotions des personnes en face de lui, mais il utilise cette particularité pour alimenter son humour, rendant ses spectacles uniques et authentiques. L'humour est pour lui une forme de thérapie, une manière de se libérer de ses inhibitions et de se rapprocher de son public. Ses interventions dans Quelle époque sont d'ailleurs marquées par cette sincérité et cette capacité à se moquer de lui-même, ce qui le rend particulièrement attachant aux yeux des téléspectateurs. La vie privée de Paul de Saint-Cernin, entre mystère et discrétion. Si Paul de Saint-Cernin est très ouvert sur ses passions et son parcours professionnel, il en va tout autrement de sa vie privée. L'humoriste de 32 ans est marié, mais reste très discret sur sa relation. Dans une interview accordée à Gala et publiée dans le numéro de novembre 2023, Paul se décrit comme incapable de dissimulation, préférant garder une certaine distance entre sa vie publique et sa vie privée. Ce choix de discrétion alimente les spéculations et les rumeurs, mais il semble que Paul de Saint-Cernin ait trouvé un équilibre qui lui convient. Marié à 32 ans, il continue de naviguer entre ses responsabilités familiales et ses ambitions professionnelles avec une sincérité désarmante.